Aujourd'hui, mardi 22 juin 2024, deuxième journée effective du Festival Poésie et Chanson à Valensole, mais l'ouverture officielle du festival, c'est ce soir que ça aura lieu, vers 18h, à Puy-Moisson. Il va y avoir la lecture de quelques textes à caractère poétique ou informatique, journalistique ou écrits par des auteurs très connus, comme Primo Levi par exemple. Il y a un texte de Senghor qui parle du Luxembourg, des jardins du Luxembourg en 1939. Il y a un certain nombre de textes que le groupe Lectura Haute Voix a choisi pour vous. Les lectures vont par deux, je crois, et puis elles sont entrecoupées d'annonces qui nous ramènent à une période que nous n'avons pas connue, mais qui est une référence en matière historique, bien sûr. Et tout ça dans le cadre de cet événement du 80e anniversaire de la libération de la ville. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les chants les plus désespérés sont les chants les plus beaux. Et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Ce texte est tiré de réflexions de Lucien Jacques sur Jean Genet entre 1940 et 1945. Lucien Jacques a souffert de l'attitude pacifiste de Genot proche de la collaboration. Leur amitié en a pâti, leur sur aucun tableau. S'il le fait, il renie. Sans doute en écrivant ces lignes, je fais figure de faux frère. Depuis 4 ans, j'ai été